Donc, en plus, dans les crématoriums, de par l'action d'un feu intense comme ça, les prothèses métalliques ou autres sont vraiment fort endommagées. Les amalgames dentaires, oui, qui contiennent principalement du plomb et du mercure, sont en fait liquéfiées par la chaleur et donc vont polluer les environs des fours crématoires.